Donc, je travaille sur la cerisée depuis 2009, dans le texte d'André Markovitch et Françoise Morvan, qui est un texte à part entière. Alors je dis à part entière d'autant que je n'ai aucun accès direct à la langue russe et au texte original. Et que dès le départ, j'ai choisi dans quelle traduction j'allais travailler, comme on choisit un texte, véritablement, une pièce. Alors ça s'appelle Lost in Chekhov, notre cerisée, mais ça pourrait s'appeler leur cerisée. Je leur dis, je travaille, je monte votre cerisée. Mais nécessairement, il y a des passeurs, quoi, qui ont déjà rêvé sur la pièce, et pas seulement rêvé, travaillé de près avec le texte. Alors Lost in La Mancha dans le titre aussi, parce qu'on travaille du fait de la tension économique qui est celle de notre métier, qui est celle du théâtre et du spectacle vivant aujourd'hui, il fallait faire des choix. Soit monter la cerisée avec un seul personnage qui serait resté, qui aurait pu être Fierce, le vieux serviteur, qui finit dans la pièce, tout seul dans la maison. Et ça pourrait être Fierce qui parle avec les fantômes de cet endroit-là, avec ses souvenirs, ça serait possible. Et s'il n'y avait eu qu'un acteur, j'aurais pu le monter avec une scénographie, des costumes, de la lumière, de la vidéo, une création sonore, etc. Mais plutôt moins de répétitions et plus d'acteurs. Donc il y a 9 comédiens sur scène qui se partagent les 12 rôles. Et pas de décor, pas de costumes, pas de lumière, mais une création sonore. Ça, on pouvait. Vous savez, je me lève à 5h du matin, je travaille du matin au soir, bon, je donne de l'argent, hein, le mien, celui des autres. Hein. Et je les vois, les gens, autour de moi. Il suffit d'entreprendre quelque chose pour saisir à quel point les gens bien, les gens honnêtes font l'exception. Parfois, quand j'arrive pas à dormir, je me dis, mon Dieu, vous avez donné l'effort immense, des horizons sans fond, les plaines sans limite, et nous qui vivons là, des géants que nous vivons seuls. Les pigoudeurs qui passent, les pigoudeurs qui meurent. Petit lac, des condors, profite pour se trouver. Il faut éviter toute la journée. Et il a l'intention de se brûler la cervelle. Ça me semblait très important dans la pièce parce que, justement, la pièce est une sorte de polyphonie. On a 9 voix qui s'entremêlent, 9 solitudes qui se disent, 9 êtres seuls et ensemble. Et ils savent être seuls et ensemble. Il me semblait important de faire exister les différents plans de la pièce et voire d'en ajouter, qui ne relèvent pas directement des comédiens, mais la cerisée est ailleurs, on ne la voit pas, on la devine à peine. La vie tout autour de cette maison et de ce domaine existe. Et au cours de la pièce, on est à la fois, parfois on est à la rencontre, la pièce est comme traversée par des éléments du passé, mais aussi par des éléments du futur. On ne sait pas si certains des personnages ne parlent pas 20 ans après l'histoire. Donc j'avais envie de pouvoir donner corps à ces différents plans et à cette temporalité très particulière dans la pièce. Et d'où ma demande à Hervé Rigaud, aussi parce qu'on a déjà travaillé ensemble, qu'il est à la fois créateur sonore, ingénieur du son et musicien, et un très beau musicien, qu'il a une manière de travailler qui est sensible, qui est très proche de à la fois des comédiens du plateau, puisqu'il est là dès le premier jour de répétition et on a pu travailler ensemble en amont. Et il a une démarche qui est une démarche véritablement d'écriture. Et il est dans la dramaturgie, il est très sensible, très attentif à la construction et à la dramaturgie de l'œuvre. Donc c'était pour moi évidemment travailler avec lui sur la cerisée. Donc, le spectacle démarre au moment où on ouvre les portes de la salle. Les acteurs, on ouvre en quelque sorte les portes pour les acteurs aussi. Tout le monde arrive en même temps. Les acteurs tels qu'ils sont habillés ce jour-là, avec leurs affaires, leurs sacs, etc. Et ce moment d'entrée dans la salle commence comme une journée de répétition. Au moment où on se retrouve, les moments qu'on passe ensemble, les échanges. Et puis le moment de la concentration dans ce qu'on est en train de répéter, la concentration de chacun,
Et puis tout à coup, là-dedans, hop, la cerisée commence, très proche de nous. Quand je dis nous, c'est nous et les spectateurs, de nous aujourd'hui. Et on la joue dans son intégralité. On n'a pas touché à la pièce elle-même. Et je dirais à la fin, lorsque la plupart des personnages de la pièce quittent la cerisée, on prépare le départ des spectateurs et notre départ aussi.